Nang's Reborn. Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Inscriban! Alors, c'est simple de tous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche de ne manquer surtout pas nos prochaines vidéos. Et oui! Nous sommes dans une vidéo analyse. Et c'est la vidéo analyse 10. Si vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes, allez jeter un coup d'œil et tu vas vous parler, mes frères et sœurs, ça sera chaud. Aujourd'hui, nous allons tout simplement toucher quelque chose qui va vraiment toucher la sensibilité de beaucoup de femmes. Il s'agit tout simplement de leur comportement vestimentaire. Ah! Leur comportement vestimentaire, les femmes, leur manière de s'habiller, est-ce que ça plaît à Dieu? Waouh! Déjà, pourquoi nous faisons cette vidéo même? Nous faisons cette vidéo parce que dans le témoin puissant précédent, dans le témoin puissant 203, une femme a dit qu'elle a vu à l'enfer des femmes qui étaient là-bas, tout simplement parce qu'elles avaient des faux cheveux, elles avaient également des make-up, elles avaient également des vernis et des bijoux sur elles, et non, et pas seulement ça, elles avaient aussi des pantalons. Et elle nous a expliqué qu'effectivement, les femmes qu'elle a rencontrées là-bas lui ont dit qu'elles sont là-bas parce qu'elles n'ont pas obéi. Elles n'ont pas cru à la parole de Dieu qui leur demande de ne pas porter tout simplement des pantalons, même de mettre des bijoux sur elles et de faux cheveux. Et elle, quand elle est arrivée à l'enfer, il y a un démon, un grand démon qui s'est saisi immédiatement de ses cheveux. Elle les a tirés, enlevé tous ses faux cheveux de sa tête. En fait, ce sont des faux cheveux. Je précise, les faux cheveux. Tous ces ornements, toutes ces choses qu'on se met sur le corps, les bijoux, toutes ces histoires, c'est à cause de toutes ces histoires que cette femme s'est retrouvée où? À l'enfer. Et quand on parle la parole de Dieu, on nous dit quoi? On nous dit que les hommes ne doivent pas s'habiller comme des femmes. Et les femmes ne doivent pas s'habiller comme des hommes. Aujourd'hui, les femmes ont dit, ok, non, je préfère dire que le diable a dit, ok, puisque Dieu ne veut pas que les femmes s'habillent comme les hommes, nous allons tromper les femmes en faisant quelque chose de différent pour les blaguer juste un peu. C'est à ce moment-là que le diable a décidé de faire des pantalons pour femmes. Des pantalons pour femmes. Est-ce que vous voyez? Et à quoi ressemblent ces pantalons? À quoi ressemblent toutes ces choses? C'est pourquoi nous sommes là dans cette vidéo pour vous les présenter, pour vous dire que si vous avez ça chez vous, sachez immédiatement que vous êtes sur la route qui mène à l'enfer. Si vous êtes une femme et que vous portez ces choses, vous devez absolument faire tout ce qui est possible pour vous en débarrasser, si et seulement si vous voulez aller au paradis. Cette vidéo est uniquement, je précise, cette vidéo est uniquement réservée aux personnes qui veulent vraiment plaire à Dieu et qui veulent aller au paradis. Je suppose que nous tous sommes allés au paradis. Ok, regardez ces images. Let's go. C'est parti. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une femme. Elle est vraiment très belle. Et elle a porté des pantalons aussi. Est-ce que ce n'est pas beau? Ce pantalon, c'est pas beau? Ces pantalons sont plus beaux que beaux. C'est plus joli que joli. Le tout réuni sur elle, ça fait quelque chose de beau. Mais quel est le problème avec nous ici? Quel est le problème ici? Le problème ici est que Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a demandé à ce que les femmes ne portent pas de pantalons ou encore de vêtements d'hommes. Regardez, c'est un pantalon ou pas? Mais bien sûr que oui, c'est un pantalon, un vrai pantalon de bonne qualité. Mais les femmes ne doivent pas porter de tels pantalons parce que Dieu nous a demandé de ne pas le faire. Lisez l'Ancien Testament, mes frères et sœurs. Regardez. Pourquoi Dieu a-t-il demandé aux femmes de ne pas porter des pantalons? C'est aussi à cause de ça. C'est parce que quand les femmes portent des pantalons, elles deviennent tellement séduisantes que tous les hommes le convoitent sur la route.
Imagine celle-là de la manière, rien que de la manière qu'elle est positionnée comme ça là. Est-ce que ne vous séduit pas? Est-ce que vous ne pensez pas au sexe déjà? Mais bien sûr que oui. C'est à cause de ça. Dieu demande aux femmes de ne pas s'habiller ainsi. Et le diable a fabriqué tellement les pantalons pour femmes, de sorte que ça puisse faire ressortir leurs courbes. De sorte que les humains, les hommes en particulier, soient facilement séduits et qu'ils puissent pécher aussi facilement. Déjà, en la regardant comme ça, si tu te mets dans la tête que les belles, elle est comme ça, tu es dans ta tête, dans ton cœur, tu es en train de t'imagines en train de coucher avec elle, tu as déjà péché. Et si tu meurs dans cette situation que tu t'es pas repenti, tu vas forcément te retrouver à l'enfer. Et elle aussi, elle va se retrouver à l'enfer. Parce que c'est à cause d'elle que tu te retrouves à l'enfer. Donc si elle continue à s'habiller de la sorte, et qu'elle séduit tout le monde sur son passage parce qu'elle se dit qu'elle est sexy. Le mot sexy, là, c'est ça. La séduction séduit tout le monde sur son passage. Mais tous ceux que tu as séduit sur ton passage, là, ils seront en train de te convoiter. Ils seront te désirer. Ils vont chercher à coucher avec toi, même dans leur cœur. Dans leur cœur, déjà, ils seront en train de pécher. Oui, et le témoin puissant précédent en donnant sur le sujet. Regardez, ce témoin jusqu'à la fin, le témoin 203. Témoin puissant 203. Oui, est-ce que c'est faux? Est-ce que ça ne vous séduit pas? Regardez, est-ce que ça ne vous séduit pas? Vous dites que vous voulez porter des pantalons pour femmes, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui, mais regardez là, elle a bien placé comme ça, ses fesses comme ça, pour que toi quand tu vas voir ça, tu vas dire, « Ma chérie, t'es jolie, regarde ça, comment c'est positionné! Comment je vais me positionner mais pour faire les choses avec elle? » C'est pas comme ça on pense. Le diable est en train de donner un certain comportement aux humains. Une manière de penser. Le diable veut que nous pensions exactement comme lui veut qu'on pense pour que avec ce caractère nous soyons marqués par le chiffre 666 qui va nous conduire directement à l'enfer. Et cette histoire là, les pantalons, toutes ces choses que Dieu a demandé aux femmes de ne pas porter, c'est pour ne pas qu'elle-même elle puisse séduire les humains, parce que tout ce qui est sur elle, sur une femme, sur une femme de cette qualité, regardez comment elle est bien bâtie. Est-ce qu'elle va pas séduire quelqu'un? À plus forte raison, quand elle a porté un pantalon. Regardez. Waouh! Et elle se dit que c'est normal. Elle-même, elle ne sait même pas que ce qu'elle est en train de faire là, c'est un péché et que ça risque de la conduire à l'enfer. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire que les femmes, si vous ne savez pas, ne discutez plus trop. Les pantalons conduisent à l'enfer. Si nous faisons cette vidéo, c'est pas pour rigoler. Et c'est en particulier par rapport à la parole de Dieu, le témoin puissant que nous venons d'entendre. Mes frères et sœurs, tous ceux qui ont subi, qui étaient là de ce live de témoin puissant précédent, ils ont tous entendu ce que nous avons entendu. Et la parole de Dieu est là pour nous éclaircir sur le sujet. Lisez la parole de Dieu. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que les femmes ne doivent pas se vêtir comme des hommes? Le pantalon qu'elle a porté ici, c'est pourquoi? C'est comme qui? C'est qui porte le pantalon en général? Ce sont les hommes. Et regardez comment ça séduit les humains. Regardez. Faites attention. Regardez ici. Là, ça devient grave. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est que cette fille a tout simplement son un pantalon. Et ce qui est étrange, c'est qu'elle a levé son t-shirt de sorte qu'on puisse voir son bas-ventre. Regardez, ou bien son ventre. Je ne sais même pas comment vous appelez. Mais son nombril est dehors. Regardez. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour les femmes? Est-ce que Dieu accepterait qu'une fille ou une femme habillée de la sorte rentre dans son royaume, dans son temple? Vous me posez-vous de vraies questions? Vous pensez que c'est un hasard que les hommes de Dieu viennent vous dire souvent que les pantalons conduisent les femmes à l'enfer? Aujourd'hui, beaucoup de femmes vont à l'enfer plus que des hommes. Les femmes vont beaucoup plus de femmes en enfer que des hommes. C'est parce que le diable veut travailler. Le diable ne s'amuse même pas avec les femmes. Nous, les hommes, là, au niveau du style vêtementaire, on n'a pas de problème. En général, hein, les hommes n'ont pas de problème. Mais ce sont nos mamans, nos soeurs, nos petites soeurs, nos grandes soeurs, qui ont des problèmes. Elles sont foutues. Le diable fabrique n'importe quoi. Les make-up, le rouge à lèvres. Même le rouge à lèvres. On a appris aujourd'hui dans les témoins puissants précédents que le rouge à lèvres qu'elle a est censé représenter quoi? Le sang. Le sang des innocents. Et personne ne sait
que ça signifie un truc pareil. Et nous, on se dit que c'est pour nous faire plaisir. Regardez comment elle est belle en plus. Elle est trop jolie. Elle ne sait même pas. Une fille belle comme ça va aller à l'enfer. Moi, franchement, je refuse de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit, de tout mon esprit. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour te dire, pour dire à toi, ma soeur qui me regarde, tu es belle, tu es trop jolie. Mais il faut arrêter de porter les pantalons parce que tu étais désobéi à Dieu. Et les démons risquent de te conduire à l'enfer en trouvant toutes ces choses-là chez toi ou encore sur toi. Quand on parle de ça, là, ce n'est plus de la blague. Les choses deviennent réelles ici. Que pouvez-vous dire de ça? Que pouvez-vous dire? Quand tu vas voir la photo, tu as dit: oh, Nyang Suribon, pourquoi aujourd'hui tout le monde les filles sexy comme ça? C'est moi qui te montre. C'est parce que tu as l'habitude de voir chez toi là-bas. Et que tu vois la fille comme ça, tu te tournes un peu, tu la regardes. Mais la fille, elle est en forme d'air. Et puis, dans ton cœur là-bas, tu dis: regarde ses fesses. Regarde ceci. Dès que tu commences à avoir de telles pensées, tu as péché. Et si tu meurs là où tu es là, tu n'iras pas au paradis. C'est pour éviter cette histoire là que nous faisons cette vidéo. Nous-mêmes là, nous devons lutter aussi. Est-ce que je ne suis pas un homme? Je suis un homme. Toute équipe est bonne. Il y a des hommes et il y a des femmes. Vous pensez que ce n'est pas un sacrifice qu'on fait pour vous révéler toutes ces histoires? Mais bien sûr que oui. Vous pensez que nos soeurs qui sont là, elles n'ont pas envie de porter des pantalons? Mais bien sûr que oui. Mais quand Dieu dit de ne pas le faire, on ne le fait pas. Parce que le diable est là. Il est là. Et c'est lui-même qui pousse les gens à inventer de telles choses. Regardez, c'est pas le seul. En ce moment-là, nous sommes en train de vous montrer quoi? Les jeans seulement, non? Voilà. Vous allez voir après. Regardez. Ça, c'est encore des jeans. Et regardez comment elle est tellement bien bâtie que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas penser que... Regardez. Elle est belle comme ça, elle est jolie. Dieu l'a créée jolie, Dieu nous a tous créés jolie. Qu'elle a fini de créer le monde, il a dit que tout ce qu'il a créé est beau. Mais regardez vous-même. Elle est plus belle que belle. Et de la manière dont elle est habillée, si elle se lève seulement et qu'elle remue, elle se remue juste un peu, tous les 25 garçons, 25 hommes qui seront derrière elle, qui vont voir ça, ils vont tous être excités. Tous. Si c'est faux, dis-moi, est-ce que c'est ta femme? Automatiquement, tu vas commencer à dire: ouh, cette fille-là, je l'ai vue dans mon lit. Oh, elle est mariée. Peut-être elle est mariée. Tu serais en train de coucher avec elle sans le savoir même dans ton cœur. Tu serais en train de coucher avec elle. Oh, la parole de Dieu nous dit quoi? Le Seigneur Jésus nous a dit que si tu avais une fille et automatiquement tu as dit: ah, franchement, celle-là, si elle est dans mon lit, ce sera chic, hein? Automatiquement, tu as péché. Est-ce que c'est ta femme? Regardez comment elle est habillée. Regardez. Et elle ne sait pas que d'amener l'habillée là, ça risque de nous causer des problèmes plus tard. Parce que Dieu, qui a créé les cieux et la terre, il n'est pas d'accord avec ce style vestimentaire là. Bien que ce soit beau. En fait, c'est le diable qui a embelli cette histoire là, pour séduire tous les hommes et toutes les femmes en particulier. Il faut vraiment faire attention parce que waouh, regardez, ah, mes frères et soeurs, même quand je vois ça là, j'ai dit: la fille est aussi haut, elle est près d'elle. Mais quand je vois ça, j'ai dit: ah, et quand je regarde de l'autre côté, j'ai dit: vraiment, moi je vais aller au ciel. Dieu, il est bon. On fait combien de temps sur la terre? 120 ans au maximum. Et Dieu nous dit de nous habiller comme il se doit et de ne pas avoir de telles pensées. Quand on voit une femme, donc je vais lutter contre moi-même, contre ce que j'aime. Si je vois toutes ces histoires, je serai donc obligé de faire comme ça, passer. Mais quand je passe, je tombe sur une autre image encore, et là ça devient grave. Qu'est-ce que tu vois là? On voit encore une autre fille très belle. Elles sont jolies, trop jolies même. Mais elle a porté un pantalon, ce n'est pas un jean, mais c'est un pantalon. Tu as dit que c'est un pantalon pour femme. De toute la façon, un homme ne peut pas porter ça. D'accord, faut rester là. De toute la façon, l'expression pantalon, est-ce que ce n'est pas dedans? C'est l'expression pantalon est là. Pantalon pour femme. Pantalon pour homme. Vous pensez que le diable n'est pas intelligent?
ou bien ne réfléchit pas. Il suffit seulement qu'il ajoute, il enlève le pantalon pour homme là, il bat homme et puis il met femme. Toutes les femmes seront séduites. On nous dit Satan c'est le séducteur. Ce mec là, il est là, il existe depuis très longtemps. Il sait comment faire pour avoir les gens. Regardez. Et les gens se tirent des photos, elles sont à l'aise dans les pantalons et s'exposent les fesses comme ça. Tout en l'air, les fesses en l'air, tout ça c'est sexy. Quand tu passes, tout le monde te regarde. Et les gens disent que tu es sexy. Tout le monde veut avoir des rapports sexuels avec toi. C'est ce que tu aimerais. Tu aimerais que tous les hommes sur ton passage aient des rapports, souhaitent avoir des rapports sexuels avec toi. Ah! Quelle est cette manière de vivre là? Carrément! Carrément! Eh bien, c'est abusé, hein? C'est abusé, mes frères et soeurs, c'est abusé. Regardez encore. Alors, je suis choqué. Là, on voit un œil carrément qui est fermé, comme l'œil du diable. On n'est pas là pour parler de ça. Nous sommes là pour parler du pantalon. Regardez comment elle est courbée là. Tu n'as pas se courber comme ça là. Tu es sûr que si elle passe à côté de toi, courbée comme ça, tu vas pas trembler. Toi qui es un homme, tu vas pas trembler. Elle serait en train de pécher parce qu'elle est en train de te séduire. Elle devient automatiquement une source de chute. Donc elle est censée recevoir la sanction là, deux fois. Elle est censée recevoir. C'est-à-dire, c'est comme si elle était de pécher deux fois. Et toi, tu pêches quand même. Tu te façon de pécher, c'est le péché. Regardez comment elle est courbée là. Un jour, je marchais dans la rue. Après avoir fait des achats, je revenais tranquillement à la maison. Lorsque j'ai vu une fille devant moi, elle était habillée comme ça. Et dès qu'elle m'a vu là, pour elle, elle a vu quelqu'un qui est joli, qui peut avoir des rapports sexuels avec elle, ou bien qui peut devenir son copain. Elle s'est mise à remuer ses fesses dans ses pantalons comme ça. Elle a pris une de ses mains là, elle a touché ses fesses, elle a touché ses fesses en caressant ses fesses de l'autre côté. De l'autre côté. Moi-même, je suis là comme ça, je dis le diable peut se cacher, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Ça là, tu as tenté de me montrer des signes. Pour me montrer qu'effectivement, c'est un démon qui est en toi. C'est le serpent. Arrière de moi, Satan. Écoute, ouvre la bouche et puis dis, arrière de moi, Satan. On passe. On passe au coin, on tombe sur quelque chose de grave. Vous voyez comment le diable veut que les femmes s'habillent? Hey, est-ce que c'est comme ça Dieu veut que nous nous habillons? Mais bien sûr que non. Ses seins sont exposés, pantalon, et ça se prend en photo pour les balancer sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que toutes les personnes qui vont voir cette image, qui vont liker cette image, automatiquement seront tous en train de pécher. Parce qu'elle est censée être en train de vous séduire. Et tous ceux qui vont la désirer sexuellement sont dans la merde. Hier seulement, en travaillant, en cherchant des images à vous faire, je suis tombé sur une image bizarre d'une artiste célèbre sur Instagram. Et je l'ai vue dans un slip. Et elle a pris une photo. Le seul fait que je l'ai vue seulement en slip, je n'ai pas pu bien dormir la nuit. Parce qu'un démon m'a visité. Et ce démon-là même est venu là devant moi-même. En se mettant nu. Avec la même image que je venais de voir sur Instagram. Ça veut dire que ces images que vous êtes en train de voir là, dès que vous finissez de regarder cette vidéo, commencez à dire Seigneur Jésus-Christ, purifie mes yeux. Donne-moi la force de me débarrasser de toutes ces choses, de ne pas avoir de tels comportements. Je veux vraiment changer. Aide-moi. Quand on parle des pantalons pour femmes, les femmes aussi disent, oh, je peux porter tout simplement mon collant, il n'y a pas de problème. Collant là, c'est pas un pantalon. Tout ça là, vous pensez que le diable, il est fou? Est-ce que vous pensez que le diable, il est fou? Ou bien il ne réfléchit pas? Il va inventer tout pour vous séduire. Faites attention. Faisons attention, mes frères et sœurs. Regardez. Elle a le même portable. Le portable qu'elle tient dans la main, là, c'est le portable que j'utilise pour faire la vidéo. C'est le portable que je tiens dans la main pour faire cette vidéo. Elle a le même portable. Et au lieu d'utiliser ce portable-là pour faire des bonnes choses, elle les utilise tout simplement pour se prendre un selfie.
montrer à tout le monde qu'elle a des beaux seins, ou bien elle est nombrine, ou elle a un ventre plat. Toutes ces choses inutiles. Oh, elle pourrait prendre son portable pour faire des choses extraordinaires comme nous. Que Dieu te délivre, ma soeur, tu es trop jolie. Regardez encore. Les choses se compliquent ici. Là, on voit que cette fille, elle est du genre courbé. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi veut-elle nous montrer ces seins-là? Mais est-ce que c'est pas ce que ça montre ici? Mais bien sûr que oui, c'est ce que ça montre. Et le pantalon qu'elle a, hein, franchement, faites attention. Ouh, regardez encore. Est-ce que vous n'êtes pas séduit? Regardez comment ses coupes sont bien positionnées. Regardez comment elle est bien positionnée. Elle est encore plus belle que belle. Et ses coupes sont dessinées. Et toi, tu vas la voir comme ça. Tu vas dire, et si je l'avais dans mon assiette? Ça dit ton lit. Hein? Que Dieu nous aide à changer ça. Obéissons. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Regardez ça encore. Qu'est-ce que vous pouvez voir ici? On peut voir encore une autre femme qui a un pantalon. Et la plupart du temps, les femmes, il y a beaucoup de femmes même qui sont au courant, qui savent que Dieu n'aime pas les pantalons. Je ne veux pas que les femmes s'habillent en pantalon. Mais elles disent non, c'est de la blague. Regardez cette femme-là, elle est jolie, oh. Elle est tellement belle. Regardez, mais elle aussi, elle est en pantalon. Elle est en pantalon. Et ça, elle ne sait pas que c'est un péché de porter un pantalon. Même si elle le sait, elle a acheté son pantalon très cher. Elle ne voudra pas céder ce qu'elle a acheté comme ça avec son argent. Tout ça, ce sont des idées, des pensées que le diable te met à l'esprit pour ne pas que tu puisses quitter le péché et aller au paradis. Pour aller au paradis, là, il faut faire des sacrifices. Hein? Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. La parole de Dieu nous dit, n'aimez pas le monde ni les choses de ce monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas dans lui. Si tu avais compris, ou considérer ce qu'on te disait par rapport au pantalon, tu n'aurais pas acheté ton pantalon, même gaspiller ton argent pour acheter quelconque pantalon. Puisque tu les as achetés maintenant, tu vois encore cette vidéo qui te confirme que les pantalons, c'est pas une chose bonne pour les femmes. C'est uniquement réservé pour les hommes. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est à ce moment-là, nous allons voir quelles sont les femmes qui veulent vraiment aller au ciel ou qui ont la crainte de Dieu. C'est là que je vais pouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce que vous restez à faire. Cliquez sur abonner et ne manquez surtout pas la prochaine vidéo sur Nuance Reborn. Nous sommes vraiment plus chauds que chauds. Et nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait avec nous. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Merci, les frères et sœurs. Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn. Attention, cette vidéo, c'est tous abonnés, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir, attention, cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire les dons. Vous pouvez faire les dons via PayPal ou encore Western Union. Waouh!